Be a la toyale, pana wana be a la toyale. Na playa nimbo panana, pana wana be a la toyale. Be a la toyale, pana wana be a la toyale. Na playa nimbo panana, vanda cholo meka donda sala. Asola chava kya puenga meka kum. Apun cholo meka donda sala. Asola bulu kapuenga meka kum, apun choro meka donda sala. Asola bala kapuenga meka kum, apun choro meka donda sala. Asola malu kapuenga meka kum. Te pasa njina peli bala meleka, muka dimina yani pasa se malaki. Bonjour Daisy. Mais bonjour. Oui. Ah, Abraham. Oui. Ça va? Oui, ça va, Daisy. Ah. Mais. Abraham. Oui, Daisy. Mais il est quelle heure? Il est 10 heures passées. Hein? C'est ce qu'on a conclu? Ça, franchement, je suis désolé. Pardon. Ça, tu pourrais me convaincre. Par un cas exceptionnel, c'est-à-dire un cas de maladie, soit un décès. Là, je pouvais comprendre ça. Mais tous les jours, toi, tu ne fais que la même chose, les mêmes fautes. Ça, on va pas. Ça, franchement, je suis désolé. Tu vas nous excuser. Tu vas nous excuser. Regarde d'abord, regarde. Regarde la façon que tu es habillé. Regarde. Bonjour. C'est comme ça qu'il faut s'habiller pour venir au bureau. J'étais trop précis. C'est comme ça? S'il vous plaît. Ah, Abraham, non, tu m'as déçu. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Regarde. Regarde ta manière que tu habilles. Hein? Amène la clé. Pardon, je te dis. Amène la clé. S'il vous plaît. De la moto que je t'ai remis pour le service. Oui, dernier singe. Non. S'il vous plaît. N'insiste pas. Je suis là. La conférence comme ça, là. Je suis en conférence, donc ne me s'il vous plaît, pas. Pardon, s'il te plaît, amène la clé. Pardonnez-moi. Et on s'excuse. Franchement. Pardonnez-moi. Attendez-moi. S'il vous plaît. La sécurité. S'il vous plaît. Yes. Voilà. Venez là. Voilà, tu prends la clé de la moto du service qu'on a remis. Tu remets la moto pardon. Au magasin. Pardon. Maintenant, tu le mets à la porte. À partir de l'instant, je ne veux plus le voir. S'il vous plaît. Je ne veux plus le voir. S'il vous plaît. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça. S'il vous plaît. Attends-moi. Laisse-moi mon désir. Mets-le à la porte. S'il vous plaît, le désir. S'il vous plaît, je ne veux pas mon sac. On va
bon pasteur. Vous allez bien? Dieu merci. Oui, ça va, bienvenue. Et la famille? Oui. Ça va ici? Oui, quand même, ça va. Dieu merci. Oui, il y a la place. Ok. Hey, je suis content de vous voir, c'est le pasteur. Hein? Ah bon, il n'y a pas de souci. Prenez place, s'il vous plaît. Ok. Oh, mon grand pasteur. Oui, oui, comme. C'est le moyen? Oui. Oui, ça va? Oui, ça va très bien, pasteur. Vous allez bien? Oui, merci. Oui. Ça marche? Oui. Ok. Et la nuit? Ah, elle s'est bien passée. Ah, Dieu. Grâce à vos prières, quand même. Ah, Dieu est toujours au contrôle. Dieu mais merci. Seulement, nous avons des soucis. Depuis que nous avons fini les études, il n'y a pas encore de travail. Bon, c'est là le gros souci. Mais grâce à vos prières, quand même, nous avons toujours l'espoir. Ça va aller. Ah, quand même, Dieu oui, merci. Vraiment. Dieu merci. Merci. Ok. Attends, bon. Je vois que c'est avec toi, le passé. Nous, on n'a pas peur. Hey, toi. Ce qui est pour le passé, c'est pour le monde. Mange. Ah, merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, l'objectif de votre appel que j'ai fait tout de suite là, oui. Bon, comme vous le voyez, il s'appelle M. Maier. Il est venu et il me dit que le jour que vous avez témoigné oui. À l'église, il était là-bas. Comme il a parlé de votre projet de transformation de banane, oui. Je dis exactement ça pour. Faites-le dire que je le salue. Oui, M. Maier. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et en famille, ça va? Oui, ça va très bien. Et merci d'être venu chez nous. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci bien. Okay. Merci. Oui, papa, oui. Par votre permission, oui. Je vais m'adresser directement à notre frère Paul, parce que nous avons beaucoup d'activités à mener dans d'autres pays, dans d'autres régions de la Guinée. Oui. Alors, quand je suis venu ici à Baraba, et j'ai fait maintenant 3 dimanches au sein de votre église, oui. Et j'ai suivi le témoignage de notre frère qui s'est lamenté beaucoup par rapport à l'obtention de l'emploi, mm-hmm. Et j'ai compris que réellement, il est vraiment lié à Dieu. Oui. Il cherche la bénédiction de l'Éternel. Dans la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui accompagne de quel chacun. Réellement, il ne doit pas baisser les bras, que l'Éternel est au contrôle. Et nous avons des projets sur la transformation de la banane. Mmh. Et autrefois, il a témoigné sur la transformation de la banane. Oui. Alors, sans avoir vu ce dossier, mais à travers son témoignage qui m'a touché, j'ai compris que c'est un homme courageux. Oui. C'est un homme qui aime vraiment sa réussite et la réussite de ses frères. Alors là, Jésus essaie de le financer sans avoir même vu son dossier. Wow. Et sans que je ne vois son dossier, qu'il sache maintenant que l'Éternel l'a exaucé et je vais essayer de le financer. Mais le financement, oui. Je vais le financer pas pour seulement qu'il reçoive l'argent pour lui seul, qu'il mette le projet en place pour lui seul, mais c'est pour aider aussi d'autres fidèles chrétiens à avancer, à aller de l'avant. Ça, la Bible déclare, nous serons la tête et non la queue. Ouais. C'est le motif de ma présence. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, monsieur, merci pour l'information. Merci. Et je suis dépassé de joie, vraiment. Merci, merci. Et retenez ceci, je ferai tout mon mieux pour que vous ne regrettiez pas. Et si aujourd'hui, cette nouvelle me parle bien, ce ne peut que rendre gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu que ce jour arrive. Merci. Pasteur, oui. Je suis dépassé de joie et je voudrais que vous priez pour moi. Et car Dieu a exaucé ma prière. Merci, vous Seigneur. Le savez. Je te rends la gloire, je te bénis. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Merci vous d'avoir vu ton frère à papa, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour l'exaucement. Merci, Père. Tu es puissant, Seigneur éternel. Raison pour laquelle mon âme te dit merci. Merci, oh, Seigneur Jéhovah. Tout ce que tu fais dans notre vie est voilà bon. Dieu. Merci d'avoir répondu à notre appel, Seigneur. Mon âme te dit merci pour l'exaucement. L'honneur et la gloire te soient bénis, Seigneur Jéhovah. Pour que tout ce qu'il va toucher, que ça donne encore du fruit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, l'Éternel. Merci, papa. Merci. Oui, M. Bayer. Yeah. Oh, merci beaucoup. Nous voulons quand même être au service du Seigneur, mais si il n'y a pas la bénédiction économique de foi, ça crée des problèmes. Ouais. Et si, par la grâce de Dieu aujourd'hui,
J'ai vu ces grands jours. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Ça, c'est bon. Et vraiment, restez avec nous dans la prière parce que c'est quelque chose que je vais commencer. J'ai encore besoin de votre prière pour que j'aie de la réussite. Je continuerai toujours à prier. Merci. Et restez. Et retenez que quand les choses massent, vous allez avoir votre part quand même. Merci. C'est ça. Merci, Pasteur. N'oubliez pas la dîme. Merci, c'est ça. Je suis tellement fier de vous. Je serai très strict sur la dîme quand même. Merci, Pasteur. Ok, j'étais prêt même pour sortir. Vraiment, je vais devoir rentrer. Ok. Merci, Pasteur. Oui. Et que Dieu soit toujours à nos côtés. Oui, allô. Oui, mon ami Paul. Ça va pas, c'est moi, ça va pas. Ça fait déjà quelques jours que j'ai perdu le boulot. Vraiment. Ah bon? Tentez. Mais c'est à Dieu. Dieu merci. Vraiment, je suis très très content de la nouvelle là. C'est bien. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'information. Bon Dieu. Moi, je vais de perdre mon boulot. Mon ami vient d'être embauché encore. Non. J'ai perdu le boulot. La vie est compliquée. On a déjà laissé. Et puis, naturellement, et puis, il est même devenu entrepreneur. Moi j'étais simple salarié, mais même j'ai perdu ça encore. Et c'est pour ça la vie là. Il ne faut pas nous amener, il ne faut jamais négliger la paix de Dieu. Quelle honte pour moi, que je me dis. Patron. Je vais quitter ici. Mais où je vais aller, patron? Je vais déménager. La vie. Je n'avais pas de travail. Je t'ai demandé et tu m'as donné. Et quand j'ai eu le travail, j'étais oublié, Seigneur. Mon Dieu, j'ai perdu tout. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi.